Au fur et à mesure qu'il me mettait des coups de cutter, peut-être qu'il ne voulait pas toucher que mon visage, qu'il voulait me tuer. Il m'a attrapé par la capuche, il m'a mis un coup de poing dans la bouche. Il a vu que je ne suis pas tombée, donc il m'a prise et il m'a jetée fort au sol. Je suis tombée face au sol. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de couvrir mon visage. J'ai eu 40 points de suture à la joue, dont 16 à l'intérieur. Ça fait 56 points de suture en tout. À la main, j'ai 27 points de suture. Au visage aussi, j'ai une paralysie faciale. Mentalement, c'est difficile. Physiquement, on peut dire que je suis morte vivante. Parce qu'il faut toujours que je me cache de mes blessures. Que ce soit mentalement ou physiquement, je ne serai plus la même personne. Je raconte mon histoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des histoires similaires à la mienne. Donc c'est pour prouver à ces femmes-là qu'il faut essayer de ne pas avoir peur, il faut en parler, il faut porter plainte.